Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter le microcontrôleur LM3S9B92 en vue de contrôler des LED qui sont construites autour d'un robot qui est le EvaBot, d'accord? Le Stellaris, et qui est construit autour de ce microcontrôleur. Le microcontrôleur, c'est un produit de Texas Instruments plutôt. Voilà, les détails, ils sont donnés dans le document constructeur. Et d'après le document constructeur, on a pu connaître que les différents GPU, bien sûr, qui sont 65, qui peuvent être 65 pins, qui peuvent être utilisés comme General Purpose Inputs Outputs, et qui sont répartis sur 9 ports. Bien sûr, du port A au port J. Alors, chaque port, il est caractérisé par son adresse de base. Voilà. Et ils font partie de la mémoire interne, bien sûr, du microcontrôleur. Ce microcontrôleur, il a un cœur ARM Cortex M3 dont le bus d'adresse, il est de 32 bits. Ainsi, il peut communiquer avec une adresse ou bien avec une mémoire de la taille de 4 gigaoctets. D'accord? Et des ondes mémoire, qui est ici la zone des périphéries. Voilà, elle est là. C'est elle qui contient bien sûr les différents GPU du port. Elle a une taille de 5 GB. Voilà. Alors maintenant, pour allumer une LED sur ce robot, sur ce Stellaris, qui est construit à base de LM3S9B92, il faut premièrement connaître son emplacement. Alors regardez, vous avez ici deux LED, la LED 1 qui est à gauche, la LED 1 qui est à droite et la LED 2 qui est à gauche, bien sûr. Le remplacement, on peut le connaître en utilisant le document constructeur. Alors, ça c'est le document constructeur. Voilà, je vais minimiser un peu. Ici, c'est le document constructeur Stellaris LM3S9B92 EvaBot, Robotical Evaluation Board. Pour connaître la LED qu'on souhaite contrôler, par exemple, je vais contrôler la LED 2 qui se situe à gauche. Je vais ici écrire tout simplement dans le document constructeur LED 2. Voilà. Ici, il me donne un emplacement. Je vais zoomer un peu. Voilà. Regardez bien. Il me dit bien sûr que la LED, bien sûr, elle doit être configurée comme étant une sortie. Regardez la flèche. Ça, c'est le microcontrôleur. C'est celui-là. La LED 2, elle doit être configurée comme une sortie. Voilà. Elle est sur le port F, pin 5. Elle est sur le port F, pin 5. Ça veut dire que tout simplement, je dois utiliser le port F, pin 5. Rappelez ça bien. Alors, c'est le PF5. Très bien. Alors, quelles sont les étapes afin de bien configurer ou bien de bien contrôler la LED? Je m'intéresse uniquement au port F qui est là. Son adresse, c'est le 0x. Voilà, c'est le 4002 5000. Voilà, c'est une adresse écrite ou bien codée en hexadécimal, bien entendu. Et les étapes à suivre, c'est premièrement l'activation de l'horloge. L'horloge ou bien le registre d'activation de l'horloge, c'est un registre très important. Par défaut, l'horloge est désactivée sur tous les ports ou bien pour des raisons économiques, parce que le robot il doit fonctionner d'une manière autonome, ça veut dire qu'il va consommer le minimum d'énergie. Il doit fonctionner avec des piles. Ainsi, le constructeur a pensé que pour minimiser bien sûr cette consommation, on active seulement le port qui nous intéresse. Dans ce cas, le port qui nous intéresse, c'est le port F. Il est là. Alors, pour l'activer, d'après le document constructeur, il me dit d'écrire ici 1. Et le reste, bien sûr, ça doit être des 0. Le reste, ça doit être des 0. Alors, si le reste, ce sont des 0, et le registre, sa taille, c'est de 32 bits, de 0, bien sûr, jusqu'au 31. D'accord? 0 jusqu'au 31, je vais écrire ici seulement 1, les restes bien sûr des 0.
C'est l'équivalent d'écrire, tout simplement, je vais regrouper par 4. 4, 0, c'est 0. Ici, 0, 0. D'accord? 0, 0, 1, 0, c'est 2 en hexadécimal. Et le reste, bien sûr, puisque ce sont des zéros, ils vont être, bien sûr, des zéros aussi. Très bien. Alors, je vais écrire la valeur 20 dans l'adresse. Alors, l'adresse de ce registre, tout simplement, je peux la connaître en faisant l'addition de l'offset plus l'adresse de base. Voilà. L'adresse de base, elle est là. L'adresse de base, c'est l'adresse de base du registre d'horloge. Son adresse de base, c'est le 0x04 00FE000. Avec l'offset ici, vous allez avoir la valeur suivante, c'est le 0x400FE000. Voilà, qu'est-ce que vous allez écrire dans cette adresse? Vous allez écrire la valeur 0x20. C'est elle qui correspond à la valeur qu'on a pu déterminer. Très bien. Alors, ça c'est la première étape. Je vais le faire sur le logiciel Kale. Alors, voici le logiciel Kale. C'est lui qui va me permettre la communication entre l'ordinateur et le robot. Je vais choisir un nouveau projet. Je vais écrire ici en langage assembleur, bien entendu. Je vais l'appeler par exemple Stellaris. P1, d'accord? Voilà. Le microcontrôleur que j'utilise, c'est le LM3S9, LM3S9B92. Regardez. Il a un cœur ARM Cortex M3. Le ARM, c'est la société qui construit les cœurs. L'abréviation, c'est Advanced RISC Machine. Je clique sur OK. Je vais choisir, bien sûr, le fichier startup par défaut qui est donné. Voilà. Et je vais faire OK. Très bien. Je vois la constitution de mon dossier. Je vais ajouter un nouveau fichier en langage assembleur que je vais l'appeler, par exemple, Stellaris. Voilà, il me dit qu'il existe déjà. Je choisis un autre. C'est pas grave. Je vais l'appeler, par exemple, TP Stellaris. Très bien. Alors, toujours, je vais faire certaines configurations. Je coche Use MicroLib afin d'éviter certaines petites erreurs. D'accord? Et dans le débugage, au lieu d'utiliser la simulation, je vais utiliser l'émulation sur le Stellaris ICDI. Et je clique sur OK. Alors, le programme par défaut, ou bien la forme du programme par défaut, il doit être comme suite. Le area qui déclare bien sûr la partie. Le code, c'est le code que vous allez utiliser. Read-only, c'est qu'il va être enregistré dans la mémoire RAM, etc. Entry main, etc. Et juste après le main, qu'on peut insérer notre programme principal. Avant, je peux faire des déclarations concernant bien sûr des constantes. Alors, regardez premièrement, je dois faire comme je viens de faire ici. Je dois mentionner le registre et sa valeur. Alors, le registre d'horloge, premièrement, je ferai R0, d'accord? Ou bien LDR, R0. Je charge un registre, hein, la valeur de l'adresse. Alors, virgule égale. C'est le 0x. L'adresse du registre d'horloge, c'est tout simplement le 0x4, le 0x400 FE108. Bien sûr, c'est la base plus l'offset. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire ici? Tout simplement, je dois enregistrer ou bien stocker la valeur 20. Pour cela, je charge bien sûr un registre par la valeur 20. Par exemple, R1, virgule. Le dièse 0x 0x20. Très bien. Et qu'est-ce que je ferai? Je stocke la valeur 0x20 dans la case mémoire indiquée par l'adresse 0x400FE108 en faisant quoi? Le STR. Voilà, STR. R0, c'est la source. R1, c'est la source. Et la destination, c'est R0. Très bien. Regardez ici une chose très importante. Que d'après le document constructeur, après avoir activé l'horloge, je dois attendre
un délai de 3 cycles d'horloge après chaque activation de l'horloge. Ça, vous pouvez le voir dans le document constructeur numéro 200, dans la page numéro 292. Et bien sûr, puisque ici j'ai des instructions de type RISC, chaque instruction consomme un cycle d'horloge. Ça veut dire en faisant 3 instructions qui ne font rien, par exemple ce sont les nops, je vais consommer 3 cycles d'horloge après, bien sûr, avoir stocké la valeur ou bien après avoir activé le port F, l'horloge sur le port F de mon robot ici, ou bien de mon microcontrôleur. Voilà. Alors ça, c'est la partie d'activation d'horloge. La deuxième étape, c'est de faire quoi? D'après le document ici, la deuxième étape, c'est bien sûr la direction, configurer la direction de ce pin. Maintenant, le pin que j'utilise, on a dit que d'après le document, c'est le pin 5 du port F. C'est le PF5. Voilà. Qui doit être configuré en sortie. Puisque c'est une LED, elle doit être allumée. Je dois la configurer en sortie. Pour cela, je dois stocker une valeur dans une adresse. Alors, c'est quoi l'adresse du GPIO direction? Vient du registre responsable à la définition de la direction. C'est sa base plus l'offset. C'est la base du port F, qui est celle-là, qui est le 0x. Voilà, le 4. Alors, elle est là. Le 0x4002. Le 5. Et la base de la direction, c'est, ou bien l'offset de la direction, c'est le 0x400. Ajouté à cette valeur, elle va être 400 ici. Très bien, je dois la définir ici dans mon code. Alors, je ferai la même chose. Je charge un registre par une valeur. Je peux utiliser le même registre parce qu'il a été déjà utilisé pour activer l'horloge ici. La valeur, c'est le 0x4002. Voilà, 2, 5, 400. Maintenant, qu'est-ce que je dois enregistrer dans cette valeur ou bien dans cette adresse? Voilà la valeur que je dois insérer. Regardez, puisque la LED 2, elle est sur le port F pin 5. Alors ici, regardez, si je mets 0 dans la broche correspondante, elle va être configurée comme entrée. Puisque moi, je veux configurer le pin comme étant sorti, je dois mettre 1 sur le pin numéro 5. Et les autres, bien sûr, doivent être des 0. Voilà. Tous les autres vont être, bien sûr, des 0. Alors, cela revient à faire quoi? À mettre la valeur 0 ici. Et là, bien sûr, c'est la valeur 2. C'est le 0x20. Très bien. Je vais mettre la valeur 0x20 dans cette valeur. Alors, je ferai quasiment les mêmes étapes. Je vais faire un registre qui contient la valeur 0x20. Je stocke. Voilà, je fais str, la valeur R1 dans le registre R2. Et après avoir exécuté cette étape, le pin numéro 5 va être configuré comme étant une sortie. La troisième étape, c'est l'activation numérique. Avant d'utiliser chaque pin, vous devez l'activer numériquement. Pour ce faire, il y a un registre d'activation numérique qui est bien sûr un offset, le 5AC. Et bien sûr, la base que je vais utiliser, c'est tout simplement la même que celle du port F. Et bien sûr, son adresse, ça va être le 0x40025 5AC. Ça veut dire que c'est la même adresse, juste ce qui va changer, c'est le 5AC au lieu du 400. Et au lieu de 400, il y a le 5AC. Très bien, quelle est la valeur maintenant que je dois mettre dans cette adresse? Ça, il est donné dans cette diapo. Alors, regardez, si je mets à 0 la fonction numérique de la broche correspondante, elle va être désactivée, mais moi, je vais l'activer. Alors, c'est le 5, le 1, je dois le mettre dans le 5. Et les autres, ça doit être des 0. Voilà, cela correspond à la même chose à mettre le 0x20 aussi. Alors, c'est quasiment la même étape. Regardez, c'est quasiment la même étape. Voilà, je vais mettre le 0x20 ici. Très bien. La dernière étape, il s'agit maintenant du registre de données. Regardez son offset sur le 0x00. Et moi, je veux avoir le registre du port F. C'est la base plus l'offset. C'est le même que la valeur de la base. Et bien sûr, pour faire
pour mettre des valeurs dans le registre des données, il y a bien sûr quelques masquages à respecter. Pourquoi on utilise le masquage? Le masquage, tout simplement, c'est pour ne pas causer de changements au niveau d'autres périphériques si vous voulez les utiliser. Ainsi, bien sûr, regardez votre GPU data, c'est celui-là. C'est la valeur en bas. Et là, ce sont les pins, bien sûr, à contrôler. Puisque les pins à contrôler sont de 0 à 7, d'accord? Du GPU data, c'est ce que vous avez ici, de 0 à 7. Nous, on veut juste configurer le port ou bien le pin numéro 1. Je dois mettre 1 ici pour qu'elle soit allumée. Les autres, elles doivent être inchangeables, ni 0 ni 1, inchangeables. Ça veut dire que leur adresse, je ne dois pas toucher à leur adresse. Pour que les pins qui restent, ça veut dire du pin 0 jusqu'au pin 4 et le 6 et le 7 soient inchangeables, il y a un masquage que je dois configurer. Le masquage ici, pour que celle-là soit inchangeable, pour que ici il doit y avoir le U, elle doit avoir contenir la valeur 0. Pour les valeurs que je ne vais pas masquer, elles doivent contenir la valeur 1. Ça veut dire que le reste, ça va être des 0. Alors tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre? Pour avoir juste le pin 5 qui contient 1 et les autres vont être inchangeables avec des U, bien sûr, avec des U. Je dois mettre 1 qui correspond à cette partie-là et les autres, je vais mettre des 0. Cela revient à mettre quoi dans le masque? Cela correspond à mettre bien sûr ici 0, 0, 0, ici au même 0, 0, 1, 0, 0. Cela correspond à la valeur, bien sûr, ça c'est 0. Ça c'est quelle valeur? Alors, regroupez 4, 1, c'est la valeur aussi 0, et ça c'est la valeur 1. Très bien. Alors, la valeur que je vais mettre, c'est la valeur, bien sûr, 0x100. C'est la valeur ici du masque. C'est clair, c'est la valeur du masque. Parce que les autres vont être des 0. Attendez, j'ai fait ici une petite erreur parce que je dois regrouper par 4. Alors, ici des 0. Alors 0, 0, 0. Si je regroupe, je vais utiliser un marqueur un peu fin. Alors, voilà. Alors ça, ce sont des zéros ici. Alors, 4 zéros, ça revient à mettre 0. Aussi ici, des 0, 0, 0, 1. Alors là, c'est 0, 0, 0, 1. Ça revient à mettre 8. Et le reste, bien sûr, ce sont des zéros. Alors, la valeur que je vais mettre, c'est le 0x80. C'est ça la valeur que je vais mettre. Très bien. Pour que là, il va y avoir le 1 et les autres inchangés. D'accord? Les autres inchangés. Maintenant, pour avoir 1 ici, il suffit de mettre 1. Pour les autres, peu importe la valeur que je vais mettre, soit là, soit ici, le résultat du GPU data, il va être inchangé. Pourquoi? Parce qu'ils sont masqués. Par contre, si je vais mettre ici 0, le pin 5 va avoir 0. D'accord? Le pin 5 va avoir 0. Ça dépend bien sûr de la valeur que je vais mettre ici. Je vais changer la valeur du GPU data, soit 1, soit 0. Alors moi, puisque je veux mettre 1, je vais mettre 1 dans le pin 5, je dois mettre 1 ici. Et les autres, c'est peu importe leur valeur. Par exemple, je vais mettre bien sûr des 1 là. Toutes ces valeurs vont être 1. Cela correspond 4-1. 4-1, c'est FF. Et la valeur finale, c'est quoi? C'est, vous allez mettre le 0xFF dans la valeur, le GPIO data du port F, qui est celle-là, parce que son offset, c'est déjà 0. D'accord? Plus le masquage. Ça va être, bien sûr, la valeur suivante, c'est va être bien sûr, je vais mettre charger un registre par une valeur qui est la valeur de registre de données plus le masque. Alors ça va être le 0x25 et la valeur du masque que j'ai trouvé, c'est le 0
80. Bien, c'est la valeur 80. Alors, ça va être 0, 80. Qu'est-ce que je dois mettre dans cette valeur? Eh bien, je dois mettre tout simplement le FF. Ça veut dire que je vais charger un registre par une valeur. Voilà, c'est la valeur FF. Et je vais la stocker, je vais la mettre bien sûr dans le R0. Je vais vérifier le programme s'il y a des erreurs. Il y a un seul warning. Pourquoi? Parce que tout simplement avant l'end, vous devez mettre nope. Alors vous avez zéro erreur, zéro warning. Et là maintenant, je peux le charger sur mon Stellaris. J'attends la fin. Lorsque je clique, il y a la LED qui va s'allumer. Je vais vous donner ça, bien sûr, en image dans la vidéo.